Les monstres de ce film symbolisent la nature qui reprend son droit et qui en réalité nous contrôle. Quand on a commencé le film, on s'est dit que tout le monde sait à quoi ressemble Godzilla. Du coup, on pensait que c'était facile de concevoir ce nouveau Godzilla. C'était une tâche parmi une centaine d'autres. Et par la suite, on s'est rendu compte que c'était bien plus compliqué. Le problème, c'est que tout le monde a sa propre vision sur le monstre. C'est comme un Rubik's Cube. On est devant l'ordinateur, sur un modèle 3D, on fait des changements, on pense que tout va bien. Et puis quand on regarde de l'autre côté, c'est une catastrophe. Alors on corrige et on s'aperçoit qu'on est en train de bousiller l'autre moitié. Concevoir Godzilla a été un casse-tête. On ne peut pas tricher comme au Rubik's Cube, il faut le faire correctement. Et ça nous a pris un an environ, du début jusqu'à la fin. Et je suis assez fier du look de Godzilla dans ce film. Bien entendu, on n'avait pas Godzilla sur le plateau de tournage. Il était sans doute occupé dans une comédie musicale à Broadway. C'est une question récurrente. Comment les acteurs jouent dans le vide? En réalité, le travail des acteurs, c'est de faire semblant. Quel que soit le film, que ce soit de science-fiction ou pas, c'est le même travail. Ils font semblant. Par exemple, dans une scène, il y a la lumière ici, le micro là-bas, et puis 300 autres personnes tout autour. L'acteur ne voit pas forcément un interlocuteur, il doit imaginer son rôle. Tout est factice. On avait une liste de choses qu'il fallait dans le film, sans quoi ça ne serait pas un vrai film de Godzilla. Sur cette liste, il y avait au moins une partie du film qui devait se dérouler au Japon. Godzilla est quand même une icône japonaise dans un film américain. Du coup, on a voulu que le film commence au Japon et raconte l'odyssée de l'océan Pacifique pour terminer jusqu'aux États-Unis. C'était l'idée de base qu'on avait dès le début. Pour être honnête, je pense que le film est une énorme lettre d'amour à Spielberg. J'ai grandi en regardant tous les jours Rencontre du troisième type, Indiana Jones ou Les Dents de la Mer. Et je les ai vus probablement plus de 1000 fois. C'est devenu mon vocabulaire cinématographique. On ne peut pas créer un film pour les fans et les non-fans. Au final, on fait avant tout un film pour soi. On ferme les yeux et on imagine toutes les scènes qui nous feraient envie, ce qui nous affecterait émotionnellement. On ne peut jamais vraiment savoir ce que les gens vont aimer. Du coup, il faut être honnête. J'ai fait ce film pour moi. Et les gens du studio aussi. Je suis probablement un grand enfant qui n'a jamais grandi. Et c'est pour ça que je fais des films. Le public, c'est comme des enfants de 10 ans qu'on ne peut pas tromper. D'ailleurs, on a montré Godzilla à des enfants de 10 ans. Et je me souviens qu'à 10 ans, je regardais des films comme Rambo, des films qui étaient destinés à un public plus vieux. Je pense qu'il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots. Ils sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense.